Voilà un tuto pour changer son amortisseur arrière. Donc bah cette fois attention, il y aura de la merde dans ce tuto, mais vu que je suis trop sympa, je vais vous montrer. Comme ça vous pourrez éviter de reproduire la même chose que moi. Donc là je mets la sangle pour soulager la roue arrière. C'est l'astuce principale pour changer un amortisseur. Sauf que bah, je savais pas trop comment faire avec cette sangle parce qu'en fait fallait tendre suffisamment, ni pas assez ni trop. Et ça je savais pas, du coup j'ai pas trouvé le bon point de détente. Donc là il faut déposer pas mal de choses. Là actuellement je suis sur la pompe à essence. Donc j'ai retiré les agrafes du tuyau d'entrée et là du tuyau de sortie. Là je retire à l'aide d'un tournevis les durites. Là c'est la durite de sortie. Ensuite la durite d'entrée de la pompe à essence. Là je débranche la pompe à essence. On voit le câble. Et ensuite je peux la déposer. Donc là j'ai une fixation qui est capoute. Là je trouve une astuce avec des serflex pour bien la fixer. Donc là je dégrippe l'écrou de la biellette qui est accrochée au basculeur. Je dégrippe à mort. Bon là je commence à faire de la merde, la sangle il aurait fallu la tendre beaucoup plus. Là pour sortir la vis je coince une rallonge et pour sortir la rallonge j'ai essayé plein de trucs avec le maillet, le marteau, pince multiprise, mais avec l'impasse à un taux ça a fonctionné. Là, je vais compter le nombre de clics de sang pour savoir à quel moment ça aurait soulagé le mécanisme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à 10, ça rentre. Ok, alors 10 clics. Alors c'est complètement approximatif, en plus on voit où il y a des moments où je clique et la roue elle monte pas vraiment. Donc en fait il faut juste essayer de retirer la vis à chaque clic de sangle. Là en nettoyant je vois que j'ai du jeu. Mais si j'avais pas ce jeu ça serait compliqué au remontage pour faire passer la biellette. Et après avoir fait tout ça je peux enfin m'attaquer à la fixation inférieure de l'amortisseur. Là, je vous montre la fixation supérieure de l'amortisseur côté droit. Là, côté gauche, elle est chiante parce qu'elle est en partie cachée par la boîte à air. Je ne dis pas pour tirer la boîte d'air, pour tirer cette merde là. Alors là, j'ai retiré à peu près 5 vis qui tiennent la boîte d'air, comme ça je peux faire un bras de levier dessus et pousser la vis de l'autre côté avec un tournevis. Et maintenant, je vais enfin pouvoir retirer l'amortisseur, mais vous allez voir que c'est très chiant, car faut faire passer la bonbonne là où il y avait la pompe à essence.
Et après, là où il y avait l'amortisseur, c'est une galère. Putain! Oh, victoire temporaire. Donc voilà le nouvel amortisseur dans sa petite boîte, c'est bien emballé. Pour les différences, alors sur le nouveau, le ressort a l'air d'être un tout petit peu plus fin, mais ça va rien dire parce que c'est des amortisseurs qui ont 32 ans d'écart. Il est moins grand, la taille du pas de vis de réglage est beaucoup plus grand sur le nouveau. Il n'y a plus de bonbonne, car la technologie de la bonbonne elle est à l'intérieur du monotube. Mais avoir une bonbonne, ça reste toujours un avantage d'accès pour le réglage. Car régler un amortisseur sur une RFK Twin, ça reste la merde, parce qu'il y a plein de trucs qui vous gênent pour faire passer la clé de réglage. Mais la bonbonne, c'est 200€ en plus. Et donc cet amortisseur est de conception de carbone et pas à émulsion. Je vous passe un lien dans la description pour comprendre ce que c'est. Et en gros, quand on utilise une moto de manière extrême ou en tout terrain, il vaut mieux avoir soit une bonbonne, soit un amortisseur de carbone et pas à émulsion. Ils envoient une clé à ergo avec l'amortisseur, c'est sympa. J'ai mis de la graisse marine sur les articulations de l'amortisseur et sur la biellette accrochée au basculeur. C'était pas forcément utile sur l'articulation supérieure. Et dans la documentation technique, ils conseillent une graisse, mais j'ai pas vraiment regardé à quoi ça correspondait. Je vous mettrai la photo à la fin de la vidéo. Là, je suis en train de chercher l'orientation de l'amortisseur. C'est plus facile sur l'ancien vu qu'il a une bonbonne qui est orientée côté gauche. Et là, on peut voir le pas de vis côté gauche également. Comme d'hab, faut faire levier sur la boîte à air. Alors l'articulation supérieure, apparemment elle est dans un silène bloc. Ça se voit sur la documentation. Et sur le forum d'RFK Twin, on m'a conseillé de la serrer seulement quand la moto serait sur ses deux roues. Cette vis là, on est obligé de faire le serrage final en premier, car juste après il y a la biellette qui passera juste devant, et le couple de serrage c'est 4,5 mètres d'écanewton. Vous verrez la doc à la fin. C'est la vis qui est décrite comme attachant l'amortisseur sur le basculeur. Là, comme le nouvel amortisseur il fait pas tout à fait la même taille que l'ancien à quelques millimètres près, l'axe de la biellette il est plus aligné avec l'axe du basculeur.
Du coup, je joue sur la sangle avec le cliquet et j'appuie après chaque clic. mètres des kN aussi. C'est la vis décrite comme attachant la biellette sur le basculeur. Maintenant que la moto est sur ses deux roues, je peux faire le serrage final de la fixation supérieure. Il n'y a rien d'indiqué dans la documentation technique, ou bien j'ai pas trouvé, du coup j'ai mis comme les vis du bas 4,5 mètres de kN. J'ai pas filmé la repose de la pompe à essence parce que j'avais pas la place de mettre la caméra, mais voilà. Là je la rebranche. Je vais lui mettre un petit surflex pour la tenir au cadre. Et en tout cas, son bonbonne, elle est plus facile d'accès. Et ça, c'est plutôt bien parce que j'entends souvent dire des motards en voyage qu'ils ont chanté la pompe à essence. Du coup, si ça m'arrive, je pense que ça me facilitera un peu la vie. Là, je vais faire un petit test moteur, voir si la pompe à essence fonctionne bien. Et en mettant ma main sur la pompe à essence en fonctionnement, je sens périodiquement une vibration. Donc, elle fonctionne bien. Voilà, c'est fini. C'était bien chiant, bien marrant, entre guillemets. Et ça, c'est la photo de la victoire sur laquelle on peut bien se rendre compte à quel point c'est la merde de réglage d'amortisseur sur une Africa Twin.